Salut, je m'appelle Mélissa et bienvenue sur ma chaîne YouTube Rayonne. Si tu es nouveau ou nouvelle, alors je t'invite à te sentir comme en famille. Abonne-toi, active la cloche de notification afin de savoir quand est-ce que je mettrai du contenu en ligne. Alors, cette vidéo, elle est particulière parce que je vais vous parler de ma guérison miraculeuse. Yeah! Et oui! Le Seigneur fait encore des miracles. Les miracles, ce n'était pas uniquement au temps de l'Église primitive. Ce n'était pas uniquement au moment où Jésus était sur cette terre. Il fait encore des miracles. Alors, si tu es nouveau et si tu ne me suivais pas depuis longtemps, etc., tu n'as sans doute pas vu la vidéo dans laquelle je parle d'une maladie gynécologique que j'ai qui s'appelle le syndrome des ovaires polykystique. Je mettrai le lien de la vidéo quelque part là-haut et aussi dans la boîte de description afin que tu puisses justement aller avoir justement tous les détails concernant cette maladie-là. J'avais tout simplement été diagnostiquée de cette maladie-là en juin 2017. Je m'en rappelle comme si c'était hier, c'était le lendemain de mon anniversaire. Lac. J'avais 25 ans et là on me dit... En fait, vous souffrez du syndrome des ovaires polykystiques. Je fais quoi? C'est quoi ce truc déjà? Ovaires polykystiques, etc. Je vais jamais oublier mon désarroi et mon désespoir quand on m'a dit ça. Parce que tout simplement, ce qu'il m'était dit, c'était ce syndrome fait en sorte que vous avez ce qu'on appelle du gaspillage ovulaire. Ce sont en fait des ovules qui sont pas arrivés à maturité, qui tapissent en fait vos ovaires, et donc du coup en général ça mène à des ménopauses précoces. Dès qu'on m'a dit ça, je me suis fait non Seigneur, j'ai 25 ans, je ne suis pas mariée, je n'ai même pas fait d'enfant, ménopause précoce, je ne comprends pas, etc. Et je me rappelle, j'étais en larmes dans le cabinet de radiologie. À la suite du diagnostic, je vais voir mon médecin et mon médecin me met sous pilule justement pour faire en sorte que mes ovaires se mettent au repos et arrêtent justement le gaspillage d'ovules. Mais alors, la pilule et moi, c'était compliqué. Mais quand je dis c'était compliqué, c'était pas que j'avais du mal à prendre régulièrement. Je suis très rigoureuse, je prenais aux mêmes heures, tout le temps, la pilule. Mais seulement, en fait, j'avais constaté, que ça me donnait des sautes d'humeur. Je pleurais pour un tout ou pour un rien. On me disait non, je pleure. J'avais énormément en fait de sautes d'humeur, de changements, du chaud, froid, etc. Et émotionnellement, en fait, ça me fatiguait, ça m'épuisait. Je me rappelle qu'un jour chez moi, je me suis mise, j'ai dit Seigneur, je suis ton enfant. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et là, en fait, le Seigneur me révèle, Mélissa, ne t'inquiète pas, ta guérison, elle ne viendra pas de la main de l'homme. Je n'utiliserai pas l'homme, en fait, pour te guérir. Je te guérirai de moi-même. J'ai fait, what? En mode, merci Seigneur, quoi. Et c'est vraiment par la foi que j'ai arrêté le traitement. Maintenant, attention, je précise toujours, mon cas n'est pas un cas universel. Tu peux avoir un problème, tu as des médicaments, prends-les. Dieu utilise aussi l'être humain pour guérir. Dieu utilise aussi les médecins pour guérir les hommes. Par contre, moi, j'ai vraiment eu la révélation qui est venue du Seigneur. C'est pour ça que j'ai arrêté. Maintenant, il faut savoir que quand on a posé ce diagnostic-là, le radiologue me dit, par contre, madame, sur l'un de vos ovaires, il y a un kyste qui est vraiment énorme. Il fait la taille, en fait, d'une orange. Il faisait la taille vraiment d'une orange, comme ceci. Je fais, oh. Et c'est vraiment ce qui avait poussé, en fait, mon médecin à me mettre sous pilule. Donc, j'entends le Seigneur me dire, arrête, j'arrête la pilule. Et quand j'arrête la pilule, en fait, je commence à constater des changements positifs dans mon état de santé. Ce qui se passe, tout simplement, c'est... Avant, quand j'avais mes règles, j'avais des douleurs qui me réveillaient la nuit.
mais je me rends compte que les douleurs ne me réveillent plus autant la nuit et petit à petit, elles commencent un peu à s'estomper la nuit. Je n'ai plus besoin de prendre d'antidouleurs quand j'ai mes règles. Et là, je fais « Waouh, merci Seigneur ». Mais il faut savoir que les kystes restaient. Donc, les symptômes tels que les nausées, l'estomac, en fait, la partie du bas-ventre en fait, qui gonfle, etc. Souvent, ça demeurait les cycles irréguliers. Et voilà, je peux faire 2-3 mois sans voir mes règles, etc. Ça aussi, ça perdurait. Et pour l'instant, c'est encore quelque chose qui vient encore de manière un peu éparse. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, je retourne voir le médecin un an après parce que j'ai vraiment des symptômes qui recommencent à être vraiment très longs. J'ai passé plus de 2 mois, 3 mois sans voir mes règles. Ça devient vraiment compliqué. Je me dis, il faut que je sache ce qui se passe. Le médecin me dit, ok, dans ce cas, on va vous faire un autre examen. Ce sera une écho. Je vous préconise une échographie. Pour faire ce genre de diagnostic, en général, on fait une échographie abdominale et une échographie endovaginale. Mais j'avais eu un tellement mauvais souvenir de l'échographie endovaginale parce que ça avait été tellement douloureux que je lui dis, je veux pas. Et elle me dit, d'accord, on va faire un IRM. Mais par contre, l'IRM, il y a vraiment du délai. Je prends l'ordonnance pour l'IRM et je ne vais pas vous mentir que je suis restée un bon mois sans appeler. Je pense que c'est ma sœur qui me dit, mais appelle, prends rendez-vous. Prends rendez-vous parce que tu as besoin de savoir où c'en est. Ce qui me faisait ne pas appeler, c'était la peur. La façon dont j'avais vraiment réagi, même si j'avais fait un pas de foi en disant « Seigneur, oui, tu me guériras miraculeusement », il y avait encore cette peur qui était en moi de « Qu'est-ce qu'on va découvrir de plus ?» C'est comme si j'oubliais ce que le Seigneur m'avait dit. J'appelle, je prends rendez-vous. Le jour de l'examen arrive et à ce moment-là, j'ai vraiment quelqu'un qui était proche de moi, qui m'accompagne. Donc, j'avais vraiment besoin d'un soutien émotionnel. La personne était là pour moi et Seigneur, vraiment, je bénis, vraiment, je te prie de bénir cette personne. Et en plus de ça, j'ai un grand frère dans la foi qui me dit, qui connaît mon histoire et qui me dit, Mélissa, je me mets en prière pour toi. Les jours précédant l'examen, il y avait un chant que j'ai appris dans ma chorale qui disait « Seigneur, même dans la nuit, un peu dans l'orage, etc., si les montagnes tremblent, la terre s'écroule, etc., les océans rugissent, etc., tu demeures à mes côtés, tu demeures avec moi, ne me lâche pas. » J'ai chanté ce chant pendant des semaines avant. La nuit même, quand je m'endormais, je me réveillais avec ce chant sur les lèvres parce que la nuit, je savais que je chantais ça. En fait, j'élevais cette louange-là. Le jour de l'examen arrive, je vais passer mon IRM. Quand je suis dans l'IRM, je continue à chanter ça. Justement, c'est vraiment comme si c'était des déclarations, je dirais, prophétiques, en fait. Et quand je finis l'IRM, j'attends dans la salle que le radiologue, en fait, vienne me donner mon diagnostic. Elle arrive et elle me fait... Bah, madame, en fait, on ne voit plus le gros kyste. Je fais, pardon ? Elle fait, on ne voit plus le gros kyste. Oh, le sourire, il fallait voir. Mais j'étais heureuse. J'ai remercié Dieu pour sa fidélité. Elle me dit, c'est vrai qu'il y a toujours des petits kystes, mais le gros kyste, en fait, celui qui faisait la taille d'une orange, il n'est plus là. Et il faut savoir que si ce kyste avait continué à évoluer, etc., ça aurait pu mener à une chirurgie, justement, pour l'enlever, parce que même si ce sont des kystes bénins, quand ils deviennent trop proéminents, ils peuvent des fois appuyer sur la vessie, en fait, ils peuvent laisser plein de endommager les appareils, l'appareil génital, et à ce moment-là, il faut enlever. Là, je fais, mon Dieu, tu es vraiment le Dieu qui fait des miracles. Mais comment j'ai commencé à chanter dans mon cœur, parce que, et quand je savais comment, le sourire qu'il y avait sur mes lèvres, le sourire qui... Mais vraiment, Dieu m'a restauré. Ça, c'était vraiment l'un des cas majeurs pour lesquels j'ai vu la main de l'Éternel se poser dans ma vie. Et cette vidéo, elle est vraiment destinée à t'encourager. Je ne sais pas quel challenge tu es en face de toi. Je ne sais pas quelle montagne tu es en face de toi. Je ne sais pas quelle maladie tu es en face de toi. Mais je veux te rappeler un truc. Quand Jésus passait, il suffisait aux gens d'avoir la foi et de toucher son vêtement pour être guéri. Je dis bien, ils touchaient juste le vêtement de Jésus et ils étaient guéris. Et il n'y a pas une maladie qui résistait au Seigneur. Toutes les maladies prenaient la fuite.
prenez la fuite devant le Seigneur. Donc, je t'encourage vraiment à te saisir, vraiment en rentrer en possession de cet héritage qui est le tien, tu vois, et vraiment à arracher ta guérison au malin. Voilà, c'est ça le terme. Arrache ta guérison, arrache ta santé, etc. Donc, ma prière pour toi, c'est vraiment que l'Esprit du Seigneur te localise. Que la puissance du Saint-Esprit. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit quand il est parti. Hein. Il a dit ne nous laissez pas orphelins, nous laissez avec quelque chose. C'était justement sa présence, son Saint-Esprit. Que son Saint-Esprit vienne et transforme, redonne la vie à tout ce qui est desséché en toi. Redonne la vie à tout ce qui est défectueux en toi. Qu'il te redonne la vigueur de ta jeunesse. Parce que par sa crucifixion, Jésus-Christ a payé tout à la croix pour nous. La maladie a été clouée et la guérison est ton héritage. Saisis-toi de cette promesse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura encouragé, t'aura boosté, t'aura fortifié. N'hésite pas, pardon, à me laisser un pouce laisse-moi un commentaire en me disant si tu as déjà pris part à une guérison miraculeuse, peut-être pour toi, un membre de ton entourage. Et n'hésite pas à partager massivement cette vidéo pour encourager le peuple de Dieu ou même seulement aussi les gens qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'il faut vraiment que les gens puissent prendre conscience que notre Seigneur, il est bon d'être le peuple de Dieu. Il est bon de faire partie des enfants du Seigneur parce que, waouh, on a un héritage glorieux. On a un héritage victorieux en lui. Voilà. Allez, sois béni. Ciao.